moi je veux te parler aussi d'un autre morceau, d'un feat dans ton album, morceau avec Sia. Ouais. Comment, enfin, c'est Martis avec qui tu voulais faire un truc depuis, comment ça s'est passé la En fait, c'est la connexion avec Sia, si tu veux. C'est moi, le titre « Je te pardonne », il apparaît deux fois, tu vois, les gens se posent la question pourquoi il apparaît deux fois. C'est tout simplement que t'as la version, moi je suis tout seul dessus, à la base, tu vois. J'étais parti sur, c'est un son que j'aime beaucoup, c'est un de mes préférés dans ce projet. Et si tu veux, l'histoire de ce son, je suis avec Renaud, donc au studio, on est là à veiller toute la nuit. Donc on part sur cet instru-là, on part sur un instru, une balade comme ça. Et moi, comme à mon habitude, je fais un yaourt, tu vois. Mmh. Je pars sur un yaourt dessus. Tu vois, je pars sur une mélo, vraiment, on est là, on kiffe la mélo. On dit vraiment, je crois qu'on est sur un gros truc, tu vois. Donc je pars sur la mélo, machin. Mmh. Et dans notre délire, on est là, tu vois, on s'imagine Sia d'un coup. On se dit, ouais, mais ça, c'est des délires à la Sia, tu vois. Tu vas dans des notes, ça plane, machin. Donc on s'imagine Sia comme ça. Et à la base, c'est juste un yaourt, tu vois. Il n'y a pas de parole, tu vois. C'est juste un charabia organisé avec de la mélo, alors, tu vois. Est-ce que c'est, je te coupe, c'est le morceau, je sais plus, c'est le morceau que t'as balancé là. Non, c'est pas ça. Non, rien à voir. Okay, là, je te parle de, je te pardonne vraiment. Ok, d'accord. Je te parle vraiment de, je te pardonne. Tu parles de yaourt, oui, je sais, ouais. Ouais, ça c'est autre chose encore. Okay. Ça c'est encore autre chose. Donc je passe sur ce yaourt là, sur l'instru de je te pardonne. Ouais. Et on se dit vraiment que le truc est lourd, quoi. Mm. Il a un potentiel international. Et là, on s'imagine Sia. Comme ça, tu sais, mais moi, pour moi, Sia, c'est vraiment, si tu veux, c'est dans le monde actuel, quand tu vois le travail qu'elle a fait, que ce soit pour une Rihanna avec Diamond, que pour des Britney ou pour n'importe qui d'autre, aujourd'hui, dans le monde artistique, Sia, les gens, quand ils entendent son nom, ils tremblent, si tu veux. Si c'est aux États-Unis, Sia, c'est un truc de malade, en fait. Tu vois pas? Donc moi, j'ai même pas imaginé une seconde qu'elle allait un feat avec Sia, si tu veux. Je me suis dit, non, c'est compliqué. C'est plus facile d'avoir Rihanna, Beyoncé. Mais c'est vrai en plus, hein. C'est plus simple. Elle, mais c'est vrai que c'est plus simple d'avoir ces artistes-là qu'elle est spéciale. Elle fait pas de feat, elle se mélange pas, elle est très en retrait, mais en même temps, c'est un monstre, tu vois pas. Donc on part sur, voilà, je me dis, bon, on me dit, mais en voyant quand même le son, tu vois. je viens ici à Sony, il y avait Rossi, il y avait Jeff, il y avait Axel. On dit, en voyant le son, tu vois, qu'est-ce qu'on... Le son est lourd de toute façon, tu vas le faire tout seul, machin, le truc, il est lourd. Viens, on l'envoie à Sia et on verra bien, tu vois. Et le mail, il part, tu vois. Mmh. Yaourt, hein. Ah ouais. C'est un yaourt, il n'y a pas de parole, donc le truc est culotté. Donc on envoie le mail, le truc, il part. Donc moi, je retourne, je fais ma petite vie normale et tout, tac. Le lendemain, je suis dans la voiture, on m'appelle, Laurent Rossi. Tu sais, Laurent Rossi, il faut savoir, c'est un mec qui parle doucement à la base. Tu sais, il parle comment? Il faut tendre l'oreille. Ça veut dire pour les gens, Laurent Rossi, c'est le patron de Label Jive. Il parle doucement, toujours posé, no stress, tu vois, zéro stress. Alors oui, ça va. Donc du coup, ils sont comme ça, les gens sont si tu rates, tu rates. C'est-à-dire, il y a une moto qui passe, c'est mort, il ne va pas répéter en plus. Voilà, il parle très lentement, tu vois. Donc vraiment, lui, on le connaît comme ça, tu vois, il a son charisme, tu vois, il est comme ça, très lentement. Tant pis pour toi si t'entends pas, tant pis pour toi. T'as qu'à tendre l'oreille, donc tout le monde est comme ça quand il parle. Donc là, on part sur un gros projet, peut-être pas, je sais pas, peut-être que... Donc, c'est un mec qui parle comme ça à la base. Donc, pour bien que vous rentrez le personnage, tu vois pas, parce que c'est avec la suite de l'histoire, ça. Donc, je reçois un appel. Je suis dans la voiture, je suis là, tac. Je suis au feu, je me rappelle, je suis au feu rouge. Tac, je reçois un appel. Allô? 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 Gibbs, allô? Allô? Je dis, c'est qui là? Allô? Écoute ça! Écoute ça! Je sais toujours pas qui c'est. Mais sur un fond, j'entends je comprends rien, tu vois. J'entends une voix, une meuf qui chante, ça monte, ça crie et tout. Écoute ça! Je dis, mais allô, c'est qui là? Allô, c'est qui? C'est Laurent! C'était Rossi. Pas de bonjour, rien du tout. Je dis, oh! Laurent, c'est toi? Allô, c'est moi! Elle l'a fait! Elle l'a fait, mon ami! J'ai dit, mais elle est devenue ouf, lui! Un mec, il parle toujours. C'est la première fois que j'entends crier, hausser le ton comme ça. Donc il était comme un dingue. Et Sia avait posé. En fait, elle a reçu le mail, elle a entendu le son direct, elle est allée en studio. Elle est allée en studio, et le truc le plus ouf, c'est qu'elle a repris la même mélo que j'ai fait. Mmh. Moi, je me suis dit, elle va partir sur un autre mélo, un autre délire, c'est Sia! Mmh. Elle a gardé la mélo que moi j'ai fait. Tu vois pas? C'est là où j'ai vu, non. C'est une grande star. Parce que reprendre la mélo d'un un petit Français qui est là comme ça,
qui est à Paris, tu vois, même pas international ou quoi. Et moi, c'est ça qui m'a le plus touché dans ce featuring-là. C'est qu'elle ait repris ma mélodie. Les bases de ma mélodie, machin. C'est ça, moi, qui m'a mis KO. C'est là où j'ai dit non, franchement. C'est... Elle m'a mis à un niveau, si tu veux. Elle m'a mis à une place. Aujourd'hui, c'est fort. Bravo. Que si elle reprend ta mélodie, c'est-à-dire qu'elle se soumette à ta mélodie. Tu vois pas, elle garde ta mélo, elle dit non, je vais garder ta mélo, elle est relou ta mélo. Tu vois pas, c'est ça moi qui m'a le plus touché dans cette histoire-là. Vous avez échangé ou pas du tout? Non, même pas, on s'est pas vu, on n'a pas échangé, on a échangé par mail, ça parlait par mail. Et si tu veux, c'est, elle a tellement kiffé le son que, donc on est parti sur ce featuring-là où elle fait le refrain, elle fait un long refrain. Et elle m'a demandé par la suite, est-ce que je peux garder le morceau pour mon album à moi et le faire dans ma version à moi? Toute seule. Merde. Donc ça sera l'album de Sia. Non, en fait, elle veut le garder, voilà. Elle veut garder la mélo, etc. Et le faire pour elle dans son album. D'accord. Pour faire un single, pour en faire dans son album. Donc elle m'a demandé si je... Non, mais j'ai refusé, j'ai refusé. Ah ouais? Ah ouais, bah... Non, je plaisante. Donc, ça allait jusque-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est allé jusque-là. Donc Sia m'a demandé le son. Elle a dit, est-ce que je peux avoir le son pour le poser moi toute seule dans mon album et tout? Est-ce que tu peux m'envoyer les pistes, les machins? Donc on lui a envoyé les pistes et tout, et c'est ouf. Après, est-ce que ça se fera, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, l'histoire, elle est belle, tu vois. Ça s'est fait comme ça, c'est énorme, tu vois.